Savoir qui on est vraiment est la quête de toute une vie. Je pense que je ne suis pas encore arrivé au bout, je dois être à peu près à mi-parcours. Bien sûr, c'est aussi pour ne pas oublier toutes les étapes qui ont amené à cet instant présent où je suis en train de vous parler maintenant. La rencontre avec Alexandre Jodorowsky a été une révélation. Après, ça faisait longtemps que je voulais écrire un roman qui utilise les 22 arcanes du tarot comme étape. Et quand j'ai dû écrire Mémoire d'une fourmi, je me suis aperçu que c'était naturellement la meilleure structure. Maintenant, à travers ce livre, j'essaie de montrer que les 22 arcanes du tarot, c'est les 22 étapes de toutes les vies, dont notamment la vie du lecteur. C'est le mat. C'est la carte du 0 et du 22, c'est-à-dire c'est en même temps celle qui est avant les autres et celle qui est après toutes les autres. C'est un peu la carte on the road again. Ça veut dire rien n'est fini, tout recommence, et que le principe même d'une existence est un cycle sans fin. Alors je pense que j'aimerais être Philippe K. Dick, parce que c'est un auteur qui a été extrêmement innovant. C'est le premier qui a mélangé la philosophie et la science-fiction d'une manière complètement folle. C'est aussi l'homme qui a surpoussé les limites de la conscience. En lisant Philippe K. Dick, j'ai compris des choses que je ne comprenais pas avant. C'est comme s'il m'avait ouvert des portes dans l'esprit. Maintenant, j'aimerais pas revivre sa vie qui était extrêmement inconfortable. Et c'était une vie où j'ai l'impression qu'il a payé avec son corps toute la puissance de sa pensée et de son cerveau. J'ai jamais eu l'angoisse du manque d'inspiration, j'ai jamais eu l'angoisse de la page blanche. Moi, mon problème, c'est que je produis trop d'idées, il faut que je sélectionne les bonnes et les mauvaises. Et par moments, c'est douloureux de renoncer à quelque chose pour simplifier l'histoire. Donc, mon problème, c'est l'excès, c'est pas le manque. À partir du 12 mai, rendez-vous sur le site mémoiredunefourmi.fr. Chaque jour, pendant 22 jours, une lame de tarot sera dévoilée et une énigme l'accompagnera. Chaque jour, vous pouvez participer et augmenter vos chances de gagner une invitation pour me rencontrer au Théâtre des Trois Baudets. 22 d'entre vous seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. Au plaisir de vous y retrouver. Jouez bien!